Ben, moi, je suis toujours en train de faire un film, alors je ne sais jamais vraiment quand ça commence ou ça termine. La naissance de mon film, a priori, c'était économique. On a besoin de vivre. Après, ça se transforme en passion, en obsession ensuite. Mais le point de départ, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très flou. Ça, c'est de l'ordre des choses qui arrivent. C'est pas quelque chose que je cherche ou que je trouve, mais ça arrive. Il y a des gens qui sont bipolaires, moi je suis tripolaire. Il y a le pôle inconnu, puis c'est la création. Il était total. On parle beaucoup de méthode acting, c'est-à-dire si on doit jouer un personnage qui est alcoolique ou drogué, donc on boit et on se drogue pour l'incarner. Moi, je fais mes films un peu de la même manière, donc le film est assez sombre, assez trash, puis ça correspond sans doute à une période de ma vie qui l'aurait été aussi. Donc j'ai abordé mon sujet sans préjudice, j'ai complètement embrassé, mais c'est sombre, c'est très sombre. Complètement à la matière. Moi, je préfère m'effacer le plus possible quand je fais un film. Je laisse le matériel, si on veut, dicter les choix que je dois faire. Donc, tout vient du matériel. On appelle ça un Inukchuk. C'est dans le nord canadien, on va empiler des roches l'une sur l'autre pour se faire des points de repère, un peu comme en montagne. Ici, il doit y avoir ça aussi, hein. Des monticules de roches qui sont un peu comme des panneaux de signalisation. Enfin, moi, je l'ai fait, mais d'une manière numérique, c'est-à-dire empiler des images l'une sur l'autre, un peu comme un phare ou un point de repère pour faire du sens un peu dans ce chaos très chaotique, le nord canadien.